Marc Chagall, dans ses années 1970, entame un nouveau processus de création. Plutôt que de dessiner ses esquisses préparatoires, il les fait à partir de collages, donc des collages de tissus, de papier, de végétaux, pour matérialiser de très grandes huiles. Donc les collages sont de petits formats qui vont donner naissance à des huiles sur toile monumentale. Donc on a toujours ce jeu dans ces années 1970 entre le tissu, le monde de la scène. En même temps, il réalise aussi les nouveaux costumes pour l'Oiseau de Feu et les costumes pour la Flûte Enchantée à New York. Donc il y a ce dialogue constant entre Chagall et la scène, et aussi, si on peut dire, Chagall et la mode. Il y a ce regard aussi vers une création extérieure, une création qui prend différents aspects et qui n'est pas qu'une création de peintre.